bienvenue pour l'épisode numéro 14. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je me trouve à Peschau. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un petit village qui se situe dans le Concello d'Orléans et qui est à 4-5 km environ d'Orléans. Et en ce moment, nous sommes donc en semi-confinement, donc nous ne pouvons pas vraiment sortir de notre Concello. Donc, on en profite pour vous faire visiter ce petit village qui compte environ 5000 habitants. Alors, vous avez un café-bar qui s'appelle le Cubano, donc qui se trouve juste sur la place à côté de l'église. Et là, comme vous pouvez voir, ce sont des oliviers. Et je vous en parlais donc dans l'épisode précédent, où je vous disais notamment que ici, ils fabriquent une des meilleures huiles d'olive. Alors ici, vous avez une installation sportive avec, on voit au fond, une scène pour les fêtes ou les spectacles. Alors donc, c'est l'Igreja São Bartolomeu. Donc la date est incertaine, comme c'est écrit ici, on ne sait pas en quelle année elle a été construite. On sait qu'il existait déjà une chapelle en 1482 et il semblerait qu'elle existe donc depuis le XVIIIe siècle. Alors ici à Peschau, vous avez donc un parcours pédestre. Donc là, il est en réhabilitation, mais il y a toujours quand même possibilité de pouvoir passer. Alors l'année dernière, nous sommes venus ici dans le cadre, à l'occasion du concours du meilleur folard. Donc le folard, c'est un gâteau, une spécialité. C'est ce qu'on pourrait appeler le gâteau de Pâques. Donc ils en font sucré ou bien salé. Et donc ici sur cette place, il y avait beaucoup de personnes, d'artisans, pâtissiers en l'occurrence, qui présentaient le meilleur folard. Donc vous en trouvez à plusieurs goûts. Ça peut être à la cannelle. En tout cas, nous on y a goûté. C'était vraiment bon. Donc voilà, ici il faut savoir que en tout cas normalement ils en font régulièrement des concours du meilleur foulard, et à Oléo il y a aussi une boutique qui est spécialisée dans la fabrication du foulard. Alors à Peschau vous aurez aussi plusieurs parcours pédestres. Voilà, ce qui est intéressant aussi à savoir pour ceux qui aiment marcher ou faire du vélo. Voilà, ici en tout cas, il y a assez de parcours pour pouvoir vous balader à pied ou en courant ou à vélo. Alors voilà la Junta de Freguesia de Peschau, donc c'est ce que nous on pourrait appeler chez nous la mairie. Alors ici, il y a beaucoup de nouvelles constructions, donc voilà, c'est bon à savoir pour ceux qui veulent investir ou acheter quelque chose ici pour y vivre. Alors à Peschau, vous avez même une école élémentaire. Donc il y a quand même ce qu'il faut pour un petit village, pharmacie, pâtisserie, voilà, et donc école.
Eh bien voilà, l'épisode 14 touche à sa fin. Je suis en compagnie d'un très magnifique cheval pour vous dire au revoir. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner et à activer la cloche aussi. Nous, on se retrouve prochainement. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.